is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find what drives you. Find your line. Allez, salut à vous et bienvenue pour cette course commentée de Gran Turismo 7. Aujourd'hui, le circuit de Laguna Seca est à l'honneur. Messieurs, bonne course à vous et rendez-vous au premier virage, comme dirait Julien Febron. Et Léon, l'Espagnol qui a la pole, suivi de Maximus en deuxième place, troisième place Johan. Johan B, quatrième WAM. Allez, en tête Léon, qui est suivi de Maximus. Léon qui roule en AMG. Oh là là, il a pris large. Léon, Maximus en profite pour prendre la tête. Maximus en tête. Oh là là, Léon a pris large. Johan B va pouvoir prendre la seconde place. Et Léon a pu revenir. Il a gardé sa seconde place. Mais Johan attaque fort. Attention, Maximus a pris large aussi à la tête. Oh là là, tout le monde est serré, c'est dans un mouchoir de poche. Dans un mouchoir de poche, les quatre premiers. Maximus qui prend de l'avance, à peu près une seconde d'avance. 8 dixième, je dirais, sur Léon. Troisième, Johan. Quatrième, Tanakaritsu, qui a doublé WAM. Cinquième, WAM, qui est en confrontation avec Mich à la sixième place. On revient sur la tête de course. Léon qui met la pression sur Maximus. Johan B qui est derrière. Tanakaritsu qui reste collé avec le groupe de tête. Que fait Johan? Il va tenter quelque chose à la chicane. Bon, il reste derrière. Tanakaritsu qui est sorti. Qui a perdu le contact avec le trio de tête. C'est quand même assez serré, hein. Léon qui va peut-être tenter quelque chose. Non. Allez, Johan qui s'attaque à Maximus juste devant, à une seconde. Est-ce qu'il pourra revenir avant la fin de cette course? Il revient, Johan, il revient. Ça se voit. C'est visuel. Ça se voit visuellement. Il revient, McLaren qui a de gros atouts en freinage. Léon qui bloque, Tanakaritsu 4ème, 5ème WAM, 6ème, Rikim de la Vega. On revient sur Johan, qu'est-ce qu'il en est? Maximus n'est plus très très loin maintenant. On commence, on est à la moitié du 3ème tour.
Ah oui, il est proche là, il est très très proche. Au freinage, il va revenir. Au freinage, il est collé, ça y est. Au freinage, il est collé, Johan. Il fait son meilleur temps, son meilleur secteur. Avec 6 dixièmes d'avance sur son meilleur temps. Le meilleur temps est à l'honneur pour Maximus. Il est collé là, Johan. Johan est collé. Il va peut-être tenter quelque chose au prochain freinage. Ah, il tente quelque chose ici à l'intérieur peut-être. Non. Quelle bagarre. Quelle bagarre entre les deux premiers. Et Johan qui passe. Johan qui passe. Attention, Maximus qui ne dit pas son dernier mot. Qui va peut-être refaire l'intérieur. Non, pas ici. Le virage est trop serré. Oh là là, Johan qui touche un petit peu, qui sort un petit peu de la piste. Maximus est collé derrière. Attention. Attention, les protagonistes vont s'engager dans le dernier tour. C'est maintenant ou jamais. Ah, c'est fini pour Maximus. Il a glissé, il a perdu trop de temps. Il a perdu trop de temps pour revenir sur Johan, c'est plus possible. Il y a de la bagarre encore pour la 4, pour la 3e et 4e place. Avec Tainakaritsu qui se rapproche de Léon. Tainakaritsu qui roule en Lexus. Oh là là, il est sorti un petit peu. Il a perdu du temps, c'est bien dommage. Maximus toujours 2e. Allez, on est parti pour le dernier tour de cette course. Ouais, tout le monde est... Il y a une demi-seconde entre le premier et le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Tout le monde est collé. Tout le monde est collé. Par contre, Mich qui peut peut-être faire quelque chose face à Wham. Il peut se passer quelque chose. Il revient, Mich, il revient. Il est collé. Ça y est, il est sous la spi. Est-ce qu'il va faire quelque chose sur la chicane? Non, il ne pourra rien faire sur la chicane. Quoique... Eh, ça passe. Ça passe pour Mich. Qui fait son meilleur temps d'ailleurs avec moins une seconde. Oh là là, c'est très tendu sur... Eh, Mich qui passe. Johan qui remporte cette course. Bravo à lui. Deuxième, Maximus. Troisième, Léon. Quatrième, Tainakaritsu. Qui va peut-être se faire shipper la quatrième place. Non. Rikin de la Vega finit cinquième. Wham sixième. Et Yoyo le pilote septième. Huitième. GTS Mich qui a dû sortir, je pense, vu l'écart. Et 9e, Citaran. Il nous fait un petit drift pour le plaisir. Bravo à Johan B de la team French Team eSports. Merci à tous les pilotes d'avoir participé à cette course. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine course commentée. A plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture et à jamais dans le tramway, bien sûr. This is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find what drives you.